Hop, nous voici de retour dans le 9e épisode de ce Borderlands 2. Je suis accompagné toujours des Moutmout. Yep. Et nous avons dû baquer parce que dans le précédent épisode, Moutmout a malencontreusement trouvé Roland pour la deuxième fois. En fait, on coupe toujours en fin de. Au moment où on doit trouver Roland, on coupe toujours avant. T'as remarqué, on est vraiment des boulets quoi. C'est un truc de malade. Ah, hein. Mais pas. Ah bah, et bah 20 minutes, c'est 20 minutes les enfants, hein. C'est pour vous après tout. Hein. Donc là du coup on s'était un petit peu enfui, on avait un peu baqué pour des raisons de sécurité, le temps que j'exporte un peu l'audio et également, puisque bon voilà, ça se fait pas en deux secondes. Et du coup, de retour dans la zone, on va dire, je pense de boss, je sais pas ce que t'en penses. Non, je pense pas, non. Tu vas voir, c'est. Ça semble très amical comme endroit quand même. Ah, oula, mais c'est quoi ce gros truc? Oula, mais waouh! Ils ont un bouclier, les réparateurs, et ils nous foncent dessus, et ils me font mal, toi aussi. Bien, impeccable, t'as géré. Hop. On va se faire les robots afin de libérer Roland qui se trouve là-bas, dans le truc bleu là-bas. Je sais pas si vous le voyez, hop, je vais monter un petit peu. Oui, bah deux secondes, doudou, on fait ce qu'on peut. Hop. Mec, casse-toi, t'écroches. Non, mais c'est qu'il fait pop à chaque fois. Ah, mais c'est le moment d'y tirer dessus en fait quand il fait ça, je pense. Ah ouais? D'accord. Ouais. Vas-y, faut le rusher en fait le truc. Ah ouais, mais attends, c'est... il a des. Il a des lance-roquettes, il se déplace, t'enculé. Putain, vas-y, de l'autre côté quoi. Mais non, ça passe, t'inquiète. Alors, cette vidéo va être vraiment intéressante. Oh, le camion poubelle que je t'ai montré, regarde, il est derrière moi. Pas Fox. Ah, il s'est barré avec le truc, quoi. Avec Roland. Le camion poubelle, quoi. Ah, écoute, hein. Je vais me mettre à couvert. Ok. Maintenant, je suis dans le coffre. Ah ouais, t'es un peu un peu milieu, quoi. Ah, c'est pas vrai. Tu mens. Non. Je te remercie. Merde. Putain, je tire mes balles à côté, quoi, tu sais. GG. Par contre, toi, tu te démerdes. Non, je déconne. J'arrive. Putain, il est vraiment costaud, hein. Ah, il envoie du steak. Et il est en train de me coucher, cet enculé. Non, il m'a couché, quoi. Vas-y, faut le péter, là. Faut le péter. Du steak. Et il est en train de me coucher, cet enculé. Non, il m'a couché, quoi. Vas-y, faut le péter, là. Faut le péter. Vite. On a moyen de le tomber, Moutin. Non. Ici. Moi, je suis mort, là. Ah. Il faut des armes électriques. Ouais, pas faux. Putain, fait chier. Et sûr pour se faire chier. Bah, on a pop à l'endroit où on est mort. Ah, bah, c'est pas si mal. Ouais, remarque, le point de sauvegarde était juste avant. T'as ouais, encore je me le fais à la main, non, lui, parce que. Hop. Waouh, le mec. Voilà. Un flingue pourri. Hop. Bon, allons voir ce qu'on nous réserve de l'autre côté du coup. En que le type s'est barré, j'imagine que voilà quoi. Oh, c'est joli cet endroit, t'as vu? Ouais, putain, c'est classe, regardez-moi ça. C'est animé et tout, c'est classe. Les bouddhistes revisités par Borderlands. J'aime beaucoup, moi, perso. Pour la faire revenir cette foutue machine. Oh mec, ça s'ouvre. Enfin, je crois. Enfin, je sais pas ce qui se passe. J'ai activé un truc. Ah ouais, non, en fait, faut pas aller dedans. Tu veux aller dedans? Regarde. Ah, je peux plus. Ça marche plus. Ah, j'ai tout pété. En fait, ça fermait le sas apparemment. Bon, ok. Du coup, infiltrer la prison d'Hyperion.
Celui, le GRK, c'est le truc qui doit détenir Roland en fait en prison et récupérer Roland pour la troisième fois. Du coup, hein, parce qu'il est pas foutu de se démarrer. Cette fois-ci, on attendra un tout petit peu avant de conclure l'épisode. Oui, promis, on fera un petit épisode plus long si ça en vaut la peine. Voilà. Mais bon, si ça en vaut pas la peine, hein, voilà, hein, j'ai envie de dire. Alors... Attends, on va peut-être aller faire un petit tour là-bas, non ? Ça, ouais, c'est la fin. Ah non, c'est la fin de l'île là, en fait. Ouais. Alors, du coup, moi je veux bien, mais. Ah, faut passer par où, moi, tu marches ? Bah, regarde, il faut se téléporter. Ah. Mais qui était intelligent, moi j'aurais tourné en rond pendant 4 minutes, hein. Le pire, c'est que c'est. Ah, vrai, c'est une nouvelle île. Ouh. Une nouvelle île. Qui dit nouvelle île dit. Je sais pas. Putain. Oh bon, c'est okay. Quoi? Oh non, c'est la fat boy encore. Fat girl. Tu veux du lait? Oh. Ah non, c'est pas une nouvelle île. Non, c'est le désert où on avait nos véhicules custom dans les précédents épisodes. Je crois que c'était le 6. Je dis pas de bêtises. Ouais. Hop. Et où est-ce qu'on fait rip-up les véhicules? Y a un mec qui a une quête d'ailleurs pour nous, là-haut. Ah, et je peux pas sauter aussi haut. Je veux te parler! Hey, copain! Copain! Voilà. Ok. Hop. J'ai la rage, mec. Mes potes m'ont viré de leur équipe d'hélico et ils fêtent ça en se faisant une partie de volleyball à tête de sadique. Vole leur balle. Attends, je suis pas trop sûr que ce soit sur cette île là. Je ne suis pas sûr non plus. Alors attends, je vais. Attends, il y a un personnage jaune. C'est quoi un personnage jaune? Hop. Tu le vois sur ta carte? Non, sachant que ma carte n'est pas très développée puisque avec mon perso je ne suis pas trop passé dans ce coin là. Vas-y, viens sur moi avec ta voiture. Alors, il faut que je trouve l'endroit. Voilà. Hop. Siège droit, mitrailleur. Siège conducteur. On va rejoindre Moot. Vroom. Alors, où es-tu? Oh, les araignées, qu'est-ce qu'ils trouve ça, lol. Bon, alors, ouais, je te vois. J'arrive. Là sur ta carte t'as pas un truc un personnage doré? Pardon. Non. Ah, je vois un point d'exclamation mais tout s'arrête pas. Je crois que nous ne sommes pas vraiment dans la bonne zone. Moi, si si, bah de toute façon le truc le téléporteur il va venir là. Bon attends, on a un exotique secondaire. Infiltré, voilà. Infiltré. On y va. Oula mais c'est. T'as infesté de saloperies dans le coin. Merde, attends, c'est toi là. Je te laisse passer devant parce que vu que t'as la carte, pas moi. C'est. Dax, c'est là en fait. Ok. Hop. Je te suis. Ah lol. Ça c'est oh, pas c'est cool. C'est joli. Oups là. Tu verras ça, c'est de la porte. Aussi. Ah, ça c'est de la porte ultra de luxe. Moi je veux la même à la maison. Hein. Ah, je risque que t'auras. Faudrait peut-être agrandir un peu. Ouais. Mais je veux le système, tu sais, de verrouillage où tu mets ton. Bref. Tu sais, pour ouvrir la porte, quoi. Oh là là. Quoi, tu veux pas? Comme ça, tu pourras jamais rentrer chez moi. T'es obligé de sortir ma. Ah, voilà, quoi. Putain, je vais. On parle bien de ma rétine, hein. Bien sûr. Voilà, c'est important à préciser, je pense. Attends, j'ai encore un truc pour les sirènes. Attends, je fais les soldes. C'est good. Niveau 12. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis, niveau 12? Ça veut dire nouveau bouclier, nouvelle arme. Oui. Tiens, c'est pour toi, ça. Ah oui, donne-moi des trucs. Hop. On va voir tout ça. Mes amis, on va voir tout ça. Merde, je viens de jeter une greu. C'est le coup de l'émotion. Alors, ça c'est bof, ça c'est bof.
Parce qu'il paraît, ça a l'air pas mal, dégâts électriques, je pense que ça peut nous aider. On va s'en équiper. Et ça également, ça peut être pas mal. Alors, ça c'est quoi? Après épuisement, les attaques au corps à corps disposent d'un bonus dégâts. Oui. Mettre ça, hein. Tac, tant qu'à faire également. Et en arme, en mode, on a quoi? On a ça de mieux. Faucheuse réduit le temps de latence de compétence toutes les équipes. Non, on va laisser ça comme ça du coup. Et on va y retourner. Bon, j'ai pas beaucoup plus de boucliers, mais au final j'ai un fin qui a l'air de défourailler un petit peu plus. On va le tester immédiatement. Oui. Oh mais oui. Regardez-moi ça les amis, c'est la délivrance. C'est quoi cette merde verte hein? Ah ok. Ah, je les couche en 3 balles, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que cette merde verte qui m'attaque là? C'est ouf ça, ça me tombe et tout, ça m'attaque quoi. Bon, je vais m'enlever, t'inquiète. Maintenant, je peux me permettre de le dire. Hein. Putain. Faudrait-il que j'arrive à viser correctement? Putain, il tombe dans l'escalier ce con en plus. Voilà! Hop, on va faire un peu tout ça. Eh, hey, il fait popper des monstres quoi le truc. En fait, ils ont des espèces de bornes qui font popper ouais, les monstres. Voir ça. Ouais. Et merde, tu vas crever sale con. Bon, je me casse, je vais encore tomber, voilà. Voilà. Oh. Allez. On reload. Il y a des espèces de marines aussi. Hop, voilà, second souffle. Je vais me planquer. Et j'ai pas pensé, mais j'ai également une compétence supplémentaire à mettre en place. Hop. Oula, mais c'est quoi tout ce. Des marines, dont tu disais. Ouais, des espèces de mecs en tenue là. D'accord, c'est eux, j'imagine. Ouais. Ah ouais, d'accord. Les mecs ont sûrement créé les robots ou les gardiens de la prison. Hop. Tatatin. Je me jette dans les bras de l'ennemi, hein, quasiment. Ah bonjour. Enchanté. Non, je comprends pas ce système de pop de monstres là, fait par les bandes bleues. Bah tu peux pas les casser, mais elles peuvent en faire qu'un. D'accord. Putain, ce que je prends là, qu'est-ce qui se passe quoi? Vite, cours dans le vide. Ouah, chaud. Putain. Mec, j'ai un besoin de soutien, je pense là, pour le coup. Ouais, je suis trop loin là. C'est bon. Ah oui, mais toi tu traces quoi. Ah non, non, non. Je peux avancer, j'ai contourné. D'accord. Fais gaffe, t'as une pile à ta droite qui pourrait se retourner contre toi. Oh, il est là-bas, quoi. Alors, wait. Je suis en mode galère, comme d'hab. Hop. Reload, copain, reload. Voilà, second souffle. Alors, ouais, il y a Roland au bout, on va aller le chercher. Oh putain, avant je suis confronté à d'autres forces. Ah ouais, mais attends, on n'a pas tout tué derrière. Ah, c'est ça, donc. Si on s'y prend maintenant, on risque d'avoir quelques. On peut étirer dessus à cette grosse merde là, copain. Hein. À Roland là. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut, hein. Faut le descendre. Attends, faut tout tuer derrière d'abord. Oh putain. Ah! Putain, il y a certaines sons, c'est du Half-Life quoi. Claire. Moi j'attaque le truc à Roland, hein. Comme ça au moins je. Je le calme un peu. Oh putain, non.
En fait, voilà ce que je voulais faire, je sais pas si ça a marché. Quand il crée des robots qui me sautent sur la gueule, le mieux serait de les attirer vers le... Alors, je pense que j'ai besoin d'aide. Ah t'es là, c'est impeccable. Je lui inflige des dégâts avec mon pouvoir de télékinésie ou je ne sais trop quoi. Là ça se voit mais... Et je suis à court de mine pour ma part. Il a plus de bouclier le truc là. Tire tout ce que t'as. Reçu. J'ai balancé toutes mes greux. Hop. Oh putain, je me fais shooter, ils sont deux kamikazes sur moi. J'ai avoir besoin que tu me relèves. Attends, j'attends que le bouclier recharge. Aïe. Ah, il y a pas mal de monde sur moi, tu risques ta vie là. Ah merde. Bouge pas mec, faut pas que t'avances. Oh putain, et là je me casse mais d'une vitesse. Parce que j'ai plus de mine. À la limite, j'ai un truc pas mal. Mais voilà, je vais me l'installer en vitesse. À la place de ça. Et croyez-moi les amis, on va le tomber. Regardez-moi ça. Je crois que c'est assez révélateur. Hein. Voilà. voilà. On l'a tombé le truc là. Et Roland nous file un coup de main. Il y a des petites tourelles qui sont avec nous, apparemment. Et qui nous donnent de la vie. Bon, on récupère de la vie. Il y a un truc pour toi, sirène. Ah, je suis pas contre. Hein. Hop. Ah oui, il y a des trucs derrière. Ah, je brûle. Ouais, je ne sais pas, mais je brûle. J'ai plus de mine. Pas compliqué. Ouh, c'est très tendu. Voilà. On va y arriver. Waouh, ce que j'ai pris, c'est un truc de ouf. Je crois que je vais avoir potentiellement besoin de toi. Pas de panique. Merci beaucoup. Merci bien. Oh les doigts, tu commences à me chauffer là. Hop, je décroche, il y a une greu. J'ai pas pu récupérer l'item tout à l'heure. Mais là c'est très compliqué. Il est avec nous? Ah non. Ouh. Ouais, il s'est suicidé quoi. Le type il nous sort de ses trucs quoi, tu sais. Ah mais t'es mort toi aussi. Ouais mais moi je vais me relever là. J'ai confiance là. Bah moi j'ai aucun angle quoi. Ah, se déplacer un peu. Gros HS c'est. Voilà. Ah non. Tu m'as piqué le mien je crois. Ah non c'est à tourelle mec. Ah merde, saloperie de tourelle quoi. Saloperie quoi. Hop. Ouh. Il y a peut-être moyen de récupérer 2-3 trucs dans l'histoire. Non, toujours pas. Le mec, c'est il est en mode j'atteins mes missions alors qu'il y a 5 minutes. C'est ça qui est bon, tu sais. Ouais, j'y vais aller. Ah. Ouh. Écoute, copain, je crois qu'on a presque fait le vide. Hein?
Juste encore un pigeon qui fait chier. Que je vais galérer à me faire moi avec le pompe. Bah non, faut le faire au sniper. Ah, je suis pas équipé. Ouais. Ok, alors on va voir ce volant, ce qu'il peut nous offrir. De l'iridium et de l'XP. T'as pas tout pris, mec, en sirène, il te reste un truc derrière. Ouais, pas faux. Cette planète a besoin d'un héros comme toi. Jack n'a pas envoyé Wilhelm. Tant mieux. Hop, j'installe ça. On va acheter rapidement un flingue qui vaut rien, genre ça. Et on prend ceci. Mes amis, déjà 20 minutes que nous sommes sur l'épisode numéro 9, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je vais vous donner rendez-vous dans le prochain épisode qui sera donc par déduction le numéro... Mout, Mout, tu suis ou pas? 43. C'est ça, parfait, bravo, on voit que t'as appris à compter. On était dans la même école, lui et moi. Ça se sent, hein. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Et bah si vous êtes super sympathique, pensez à nous lâcher des pouces verts. À également commenter si cet épisode vous a plu, à le partager si vous le souhaitez, à nous rejoindre sur Facebook ou encore sur YouTube. Et puis, bah, y a mon petit Twitter qui s'affiche également, tant qu'on y est. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous nous regardez. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bisous. Ah, ça vole ce truc.